C'est une des dernières phrases du livre de Larry Tremblay, Je te parle avec de la paix dans ma bouche, qui m'a donné l'idée d'offrir ce carré de soie, qui parle aussi de paix, pour aider Champs Libres à réaliser cette grande production qui aura lieu en 2020 pour fêter les 30 ans de Champs Libres. J'ai eu la chance de travailler pour Champs Libres. Pauline m'avait approchée pour faire une scénographie, ma première d'ailleurs, pour l'opéra The Trials of Patricia Bizaza qui a été présenté en 2016. Et suite à cette collaboration qui a été formidable, on m'invite à nouveau à travailler sur la nouvelle production de Champs Libres qui s'intitule L'Orangerie, un livret de Larry Tremblay, musique de Zad Moultaka. Et j'aurai la chance donc de faire la scénographie de ce nouvel opéra. Cette œuvre a été créée en 2006 dans le contexte d'une exposition que je préparais et en fait plus particulièrement d'une œuvre sur les conflits religieux. Au cours de mes recherches, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des rites qui se ressemblaient, surtout dans les religions monothéistes, et que ce qui était universel, c'était ce besoin de croire. Donc j'ai décidé de faire plutôt une œuvre justement sur la paix, où tous ces symboles religieux vivent en harmonie sur un même carré de soie.